experiences of the experience. The experience, je dois être expérience. C'est une qui travaille dans des programmes de recherche, de développement, éducation, et également travaille avec la Maison Blanche sur les questions de technologie et de sciences ou de politique, et également les agences de renseignement. Et il est également, il travaille à l'USAID. Hier, on a également mis Annalise Kerr qui travaille au laboratoire Plant Village. Et elle est également spécialiste en ingénierie biologique et agriculture et également travaille dans la nutrition, dans l'alimentation et la transformation de l'agriculture. Nous avons également professeur Richter qui est professeur, qui est maître de conférence au également travaille au département de la durabilité, le directeur du centre pour le genre et le système alimentaire et l'innovation. Et également, il a fait 25 ans à l'USAID et il a tout le temps, il a géré des subventions de plus de 100 millions à travers le monde. Donc là, sur ce note, je les souhaite la bienvenue. Good morning, everybody. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de voir autant de personnes à cet atelier. Donc, toutes mes félicitations à vous tous pour de prendre part à cette formation. Et je voulais juste, c'est très, très ravi de voir qu'on peut vous parler avec vous partout à travers le monde. Donc, comme ma collègue Cosme et moi, nous allons faire, disons, une sorte de table ronde informelle pour vous. On va utiliser seulement ces diapos pour avoir une conversation avec chacun d'entre nous. Donc, comme vous le voyez, j'ai mon café là, je suis là pour discuter avec vous sur l'importance des réunions de lancement. Comme je l'ai dit, je vous l'ai dit, vous savez qu'il y a beaucoup, c'est très important, la gestion est très importante, surtout pour le laboratoire d'innovation. De ce fait, c'est pour que ce projet-là se passe normalement la gestion de projet, c'est absolument important et absolument importante. Et l'une des premières choses, les plus importantes pour une bonne gestion du projet, c'est ce dont nous allons parler tout de suite, c'est la réunion de lancement, la première réunion avec l'équipe de projet. Donc, Annelise, que pensez-vous de cela? Merci beaucoup. Bien, là, pour la réunion de lancement, c'est la première opportunité de commencer à apprendre comment gérer le projet, comment dérouler le projet. Vous allez apprendre à travailler ensemble. Et la réunion de lancement est très importante parce que vous travaillez avec les partenaires. Et vous aurez également l'opportunité. Ever higher than when it is at the kickoff meet. No. De prendre en compte tous les aspects de votre lancement. Si tout le monde est là, mais il y a également des hauts et des bas. Par exemple, il faut travailler avec les bailleurs, avec les partenaires, pour vraiment mettre en œuvre votre projet. Et ça, c'est un moment important pour apprendre pour comment travailler ensemble. Ça, ce sont mes deux premières observations pour le moment. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Voilà, et je repasse la parole à Alice. Je vous remercie pour l'enthousiasme que vous avez démontré dans cette réunion. Là, et c'est important de prendre le temps de commencer à bâtir des relations avec votre équipe ou avec vos partenaires. Ça, c'est parce que vous allez avoir beaucoup de réunions avec ces personnes et la plupart des réunions, c'est surtout. Ça, c'est pour le travail, mais au moins cette première réunion de lancement, c'est pour comment vous allez travailler, comment vous êtes, si vous êtes tous alignés.
à la vision, aux objectifs, et si vous avez tous une bonne appropriation du projet. Et tout cela, et on met l'accent sur la mise sur les informations techniques et assurez-vous que vous avez l'environnement, l'enthousiasme de toute l'équipe. Et l'aspect, l'autre aspect important de cette réunion, c'est que durant ces trois dernières années, on a passé des réunions en présentiel aux réunions virtuelles. Et là, ça change beaucoup de choses. Mais il faut également vous assurer que vous avez gardé cet enthousiasme parce qu'on sait que vous ne travaillez pas avec votre équipe et peut-être que parce que si on voulait, la personne que vous voyez, elle est plus motivée, elle a plus d'énergie, mais assurez-vous que même si on ne voyage pas tout le temps à cause maintenant des réunions virtuelles, assurez-vous que vous avez l'enthousiasme de votre équipe et de l'énergie de votre équipe. Donc là, on va passer à la diapo suivante. Je voudrais poser la question ici. Qu'est-ce qu'une réunion de lancement? Vous avez déjà répondu à cette question, Alice, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas le moment de faire des informations. Ça, vous aurez dû déjà le faire, avant le projet. Mais là, c'est pour collaborer, commencer la collaboration, commencer à s'engager avec l'équipe. Mais je me demande, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de réunion de lancement? Qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez-vous qu'il n'y a pas de lien, cette connexion entre eux, entre les personnes, ou bien même les goulots d'étranglement qui pourraient survenir. Parce qu'on sait qu'un projet, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, au moins, ça, c'est le moment. De parler de tout cela, de voir comment vous allez maintenant entrer en collaboration, comment vous allez bâtir la confiance à travers la confiance. Donc, tout cela, c'est pourquoi Alice l'a dit, mais je me demande, si cette réunion n'a pas lieu, qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la valeur de cette réunion de lancement? Ça. Alice, est-ce qu'on peut passer sur la diapo suivante? Donc, on a parlé du concept, de ce que c'est que la réunion de lancement, mais on sait que ce serait bien également de voir quels sont les éléments essentiels qui vont garantir le succès d'une réunion de lancement. Par exemple, l'introduction, c'est important de se connaître, c'est bien. Mais nous devons également prendre du temps pour définir le contexte. Kurt l'a dit dans ses observations. Des fois, les réunions de lancement, il y a un client avec vous, et comme l'USAID, ça peut être des fois quelqu'un d'autre. Ça dépend du projet, mais ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir un client avec vous, mais le contexte est très important parce que là, par exemple, l'USAID connaît le contexte pour ce laboratoire d'innovation. Mais si vous avez votre client maintenant, assurez-vous que vous avez du temps pour de bien définir le contexte, bien camper le décor. Et donc, vous avez déjà 100 dollars en revenant sur en ayant mentionné l'importance du contexte. Donc, surtout, comme vous avez dit, à travailler avec l'USAID, l'USAID a besoin de montrer les opportunités. Et on veut que les opportunités aillent. En tout cas, à l'avantage des bénéficiaires. La plupart du temps, on va dans le laboratoire, on élabore des propositions de financement et on attend des réponses. Et ça peut être, par exemple, le moment où ils écrivent, au moment de, des fois quand la proposition est acceptée, vous écrivez le premier concept et égal avant la mise en œuvre. Ça, c'est une opportunité pour l'USAID de venir
et de rencontrer les personnes sur le terrain et rencontrer l'équipe, les bénéficiaires. Et c'est l'un des moments les plus importants d'échange. Et de, vous, à ce moment-là, vous assurez que vous avez créé un espace pour que les bénéficiaires puissent rencontrer les bailleurs. Et non pas. Donc, c'est à vous de créer cette opportunité. Par exemple, l'USAID doit s'asseoir et discuter avec les personnes qu'ils veulent soutenir, les personnes que l'USAID veut soutenir, veut assister. Et il faut qu'il y ait cette conversation sur le travail que vous allez faire, sur ce qu'ils veulent faire et également sur ce qu'on doit réaliser sur le terrain. Et cette conversation peut être bien définie. Les informations que l'USAID possède sur le projet, sur le financement. Et n'ayez pas peur de s'asseoir avec les bailleurs et de discuter avec les bailleurs. Parce que cela montre que vous avez un processus transparent, que vous pouvez vous permettre d'avoir un dialogue et des retours d'informations. Et vous offrez l'opportunité d'engagement, de collaboration avec les bailleurs, entre les bailleurs et les partenaires. Donc, n'ayez pas peur de s'asseoir avec les bailleurs et de discuter. Voilà. Donc, je vous repasse la parole, Diane. Donc, Annalise, est-ce que vous pouvez nous dire d'autres aspects qui pouvaient également être importants et qui sont sur l'écran? Pour continuer la conversation. Quand je pense que, par exemple, pour la réunion de lancement, l'importance de cela, c'est un important point, c'est comme Curtis l'a dit, c'est que là, au moins, vous commencez la communication générale à tous les niveaux. Et c'est là où on va définir ce que vous allez faire et vous allez dans les détails. Et honoring local protocols fit in here, and I think s'assurer que vous respectez le protocole au niveau local. Et premièrement, vous devez inclure les éléments importants dans la réunion de lancement et assurez-vous que toute l'équipe et tous les clients ou bien les parties prenantes soient présentes pour cette réunion et que vous avez tous la même compréhension et que les aspects les plus importants du projet sont bien compris. Everyone there et sont bien ancrés auprès de toutes les personnes qui sont là-bas. Et également, pour respecter le protocole, c'est de s'assurer de respecter l'accord. C'est que chaque personne dans votre équipe doit mettre l'accent et doit être conscient du protocole qui existe et de s'assurer que les bailleurs que le bailleur sache que vous êtes conscient de tous les objectifs. Et en plus, vous devez également parler aux communautés que vous servez. Et en indiquant que, par exemple, vous pouvez avoir des feedbacks, des retours d'informations, vous pouvez faire des enquêtes pour demander aux communautés locales de donner leur avis sur le projet. Merci beaucoup. C'est un très bon aspect. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que la littérature ou bien les articles sur les réunions de lancement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est monoculture, c'est-à-dire que c'est une affaire traditionnelle. C'est les réunions en face à face, chacun s'asseye en face ou bien. Pour nous, il faut que l'on pense à une réunion, un lancement réussi, surtout la manière dont on fait les choses. C'est différent, disons, la manière dont on fait les choses. Ça dépend de la culture, de la communication. Ça peut varier d'un contexte à un autre, mais. Voilà, je voulais répondre à la question de David. Là, notre équipe, quand nous avons des réunions de lancement, nous retournons le protocole local au niveau des populations locales. Et pour leur demander, c'est pas à nous de dire, nous devons le faire de cette manière. Nous écoutons les communautés locales, c'est à elles de nous dire
quel est le protocole local. Là, au moins, on définit d'abord les choses. Par exemple, j'identifie mon partenaire local. Je fais dans ma présentation introductive, je commence par remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes. Et je sais que je ne veux pas juste me lever et pour dire bonjour à tout le monde, soyez le bienvenu. Non, mais je remercie chaque personne, toutes les parties prenantes qui sont dans la salle, je les remercie un à un et m'assurer que les personnes qui sont sur le podium, le présidium et toutes les personnes au niveau local et local nationals who are helping my local partners be successful. And once we sort of set up également même les autorités nationales, I always make au succès de ce projet. Une fois que j'ai établi ce protocole, là, je m'assure que je remercie l'assistance, je remercie l'audience, même le chauffeur qui m'a conduit, je le remercie. Ça, c'est le seul moment où vous pouvez briser la glace. Et n'oubliez pas que le travail des partenaires, c'est de renforcer le travail de l'équipe. Et quand vous travaillez avec ces gens-là, et ces petites choses-là ont un impact. C'est très important. Parce que chaque personne maintenant, dans tous les pays où nous travaillons, ils ont leur propre manière de faire l'introduction, l'approche. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'essentiel, je m'assure que je crée de l'espace. Je m'assure que je viens en toute humilité parler aux partenaires, remercier tout le monde. Et de cette manière, je suis sûre que tout le monde va s'approprier du projet. Et je m'assure que déjà, je respecte les titres de chacun, les postes de chacun. Et ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'efforts, mais c'est important de le faire parce qu'il faudra tout noter, mais j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire et en respectant les personnes, les titres, remercier tout le monde du plus haut au plus bas. Et c'est important de le faire dans les deux. Okay, Annalise, allez-y. Voilà, merci pour cette recommandation. Voilà. En tout cas, il faudrait qu'on respecte le protocole, comme on dit. Je vous prends un exemple sur le terrain, quand je travaille sur le terrain, dans mon laboratoire, dans une réunion de lancement avec un partenaire. For them is based in Kenya at the moment, and it's. Et le projet est basé au Kenya. Et quand on est arrivé, le projet regroupe travaille avec 2000 agriculteurs. Et on a travaillé sur cinq différents programmes. Mais l'aspect ce qui est important, c'est parler des données, parler comment on va travailler avec disons 6000 agriculteurs. Done because when you look at et it, comment on a réalisé et surtout en parlant des données, si vous parlez du point de vue des données, tous les jours je rencontrais 20 agriculteurs, less than 100 et tout dépend, on peut le faire, tout dépend du nombre de personnes que vous avez en fait. Quand on parle d'avoir une discussion ouverte et encourageante, cela peut. Parce qu'on peut dire que oui, ce n'est pas possible parce que si on ne peut pas se lever et saluer, discuter. Mais au moins, en gardant à l'esprit ce protocole local, c'est-à-dire dans le pays où on n'est pas très familier, c'est très important parce qu'au moins, ça leur permettra de savoir, de s'approprier non seulement des projets, mais également, vous allez bâtir la confiance entre vous. Et c'était au moins, même si on doit le faire, c'est pénible, ça nous prend beaucoup plus de temps d'interagir avec tout le monde, avec chaque partenaire, c'est important de le faire parce que ceci a apporté ses fruits. Là, dans les réunions de lancement, donc vous avez parlé de tout cela, donc parlez-nous par exemple du délai, donnez-nous des exemples plus précis. And then
I think it's our last kind of. Je pense que nous devons passer à la diapo suivante et ensuite je pense que nous pourrions vraiment passer à des exemples. Nous avons discuté un peu de cela. Il s'agit donc de parler de démarrage, mais je voulais parler d'un aspect, Anne-Lise en a déjà parlé, parce que à notre époque, nous travaillons dans un environnement très différent de celui d'il y a quelques années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous ces moyens techniques pour nous aider et nous ne travaillons pas seulement physiquement ensemble. Nous avons la possibilité de nous envoyer des messages. Il y a des diversités de messages virtuels. Il y a le téléphonique. Nous avons les appels téléphoniques. Est-ce que nous avons maintenant les vidéos? Et je voudrais dire quelques mots sur cela. Cela porte sur l'aspect multiculturel de ce que nous faisons tous. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de mes travaux de recherche doctorale. Très souvent, nous demandons que le meilleur moyen, c'est la vidéo, parce que vous pouvez me voir. Mais vous montrez peut-être pas la meilleure manière d'être inclusif, parce qu'il y a les questions multiculturelles et sexo-spécifiques dont il faut tenir compte. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous discutons à l'heure actuelle, vous voyez la participation de personnes qui sont peut-être moins enclins à participer par la discussion. Nous le saisissons, nous utilisons ce moyen technique de nos jours, c'est la meilleure des choses, de voir l'aspect visuel, que nous voyons les choses lors d'une réunion de lancement, mais il y a la discussion pour vous qui peut augmenter la participation avec des commentaires qui vous donnent une grande satisfaction. Je voulais dire un mot de plus sur l'importance de la technologie. Parce que c'est un facteur de succès de votre équipe et pas seulement, c'est ce que je voulais dire concernant les outils de communication. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je voudrais dire que vous avez fait un bon travail pendant même seulement 2 minutes. Je n'ai pas ajouté du cœur, mais je pensais que peut-être vous parlerez des outils de gestion dont vous êtes le spécialiste. Nous passons peut-être à une autre diapo qui porte sur un exemple tiré de notre université du Michigan. Bon, voilà, nous y sommes. Est-ce que nous avons perdu Kurt? Non, mon micro était fermé, je ne sais pas pourquoi, dit-il. Excusez-moi. Je vais vous donner un court exemple de ce que nous faisons à MSI. C'est un projet démarré en 2018 et c'était un relativement petit projet qui s'est terminé un an après. Ce que je voulais vous dire, que il faut écouter les exemples en matière de consolidation de l'esprit d'équipe, en matière de beaucoup de choses. Je vais vous dire très rapidement ce qu'il en est. Diapo suivante. Les principaux éléments ont été ventilés en 4 groupes. C'est tout ce que vous devez faire doit être démontré avant de commencer la réunion, juste avant la réunion et avec tous les détails. Et puis, il y a les détails concernant le
post-lancement. En général, nous mettons les choses à plat et ensuite nous élaguons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, les objectifs principaux pour le lancement, c'est que l'USAID doit avoir la possibilité de célébrer le lancement d'un programme. Nous avons donc le communiqué de presse, des photos, tout ce qui peut documenter ce lancement. Il est très important de faire cette présentation à vos partenaires. Ce n'est pas que vous êtes les meilleurs, mais vous devez avoir la responsabilité de vous assurer que vos partenaires aient aussi la possibilité de briller devant les pairs et devant les bailleurs locaux. Et vous voulez également montrer comment travaille l'USAID, comment l'USAID s'organise. Et enfin, je crois que ce qui est important, il est important d'apprendre comment travailler en équipe. J'ai toujours trouvé de la valeur dans les défis du lancement. Je me suis lassé directement de quelque chose. Il faut toujours apprendre de cette manière-là, c'est-à-dire de savoir quelles sont les opportunités à saisir. Donc, votre planning de pré-lancement, notre équipe doit planifier les activités de lancement jusqu'à la dernière minute. Nous devons nous assurer que chaque personne qui prend la parole ait un temps qui lui est imparti spécialement. Et nous ne devons pas, bien sûr, tenir tout le monde tenu de ce temps, mais il faut savoir qui va parler, de quoi les gens vont parler et comment. Et d'autre part, nous prenons beaucoup de temps à écrire des lettres officielles d'invitation à envoyer. C'est-à-dire, il faut inviter bien sûr les présidents des pays, les vice-présidents, les ministères de l'éducation, les représentants du USAID, toutes les notabilités locales. Il faut tenir compte des protocoles locaux. Nous devons faire en sorte que les partenaires locaux soient informés par des lettres signées par moi-même ou le recteur du pays dans lequel nous travaillons. Mais afin, nous devons avoir de longues conversations concernant certains détails comme les espaces, les hôtels, les repas, les hôtels. Il s'agit de mettre à l'aise vos partenaires. Diapo suivante. J'avais parlé de l'USAID qui a besoin d'une toute une page d'articles dans les journaux que nous payons dans la presse locale pour apprendre, pour informer de ce lancement. Assurez-vous que vous avez budgétisé cela en matière de frais de communication et pour avoir la visibilité nécessaire. Et c'est un bon investissement de faire cela. Diapo suivante. J'avais parlé auparavant de conversation. C'est par exemple le directeur de mission du Malawi, par exemple, à la gauche. Ce sont des entretiens d'une grande importance. J'avais pris une photo parce que je voulais saisir ce moment pour montrer aux maires locaux qui ont la possibilité de s'entretenir avec le bailleur de fonds, ce qu'il en est. N'essayez pas de vous mettre en premier. Là, il faut que les choses soient faites très simplement. Et dernière diapo, il s'agit de ce que j'appelle s'attendre à tout. Lorsque je travaille sur un lancement dans un pays, je m'assure toujours que j'ai des fonds supplémentaires
pour tenir compte des choses qui pourraient être inattendues et qui surviennent. Ça pourrait être des billets d'avion à envoyer pour des gens qui viennent de loin. Moi-même, j'avais fait l'erreur de supposer qu'il y aurait des transports locaux, mais arrivé au Malawi, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. J'ai dû parler aux gens à Blantyre que la meilleure manière d'arriver à temps est d'acheter un billet d'avion. Et donc, il faut prévoir l'imprévu et y être préparé. Diapo suivante. Et c'est la preuve que je suis milliardaire au Malawi, en Kwacha. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours des fonds supplémentaires à ma décision, coupures pour les institutions, les partenaires, pour pouvoir rapidement faire les choses. Par exemple, le lancement d'un programme, peut-être vous n'avez peut-être pas les allocations suffisantes ou même une sous-allocation, mais vous aurez besoin d'avoir du liquide pour louer des chambres à l'hôtel, par exemple. Vous pourrez utiliser cela pour payer les dépenses imprévues. Directement utiliser les activités imprévues pour consolider votre équipe. N'oubliez pas que les gens qui ne peuvent pas résoudre le problème, essayez d'aider à résoudre le problème. Faites-le. Et je pense que c'est mon rôle le plus important en tant qu'exécuteur d'un programme pour le lancement du programme et nous apprendre ainsi à mieux consolider l'équipe. Et nous avons les meilleures chances ainsi de réussir et parce que nous avons prévu l'imprévu. J'en ai terminé. C'est formidable. Une chose que je vois, ce que j'ai lu dans des articles sur les manifestations de démarrage, c'est que personne n'a prévu une session concernant ce qui pourrait mal se passer. Les gens ont peur, en fait, de ce qui pourrait être un problème. Et il est intéressant de prévoir dans tout lancement une partie sur des imprévus. Donc, j'aime votre exemple, cela fait envoyer beaucoup d'emojis de rire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Annalise, nous ne vous avons pas donné de temps. David a parlé de quelque chose qui s'appelle primordem. Annalise, vous pouvez parler des outils de gestion de programme. C'est très important de passer du temps à s'assurer que toute l'équipe comprend bien le logiciel de gestion du projet ou l'approche utilisée. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les outils de gestion de ce projet, c'est très important et tout particulièrement, comme Kurtz l'a dit, lorsque on a les objectifs du projet, il faut prévoir dès le départ dans ces l'équipe, tous les membres d'équipe puissent utiliser ensemble les mêmes outils. Et dans notre laboratoire, tous les partenaires qui ne connaissent pas le déroulement du projet, il est important de parcourir donc cela dans une conversation ouverte, questions et commentaires. Il faut en fait les sensibiliser à la manière dont on utilise tel outil. J'ai connu une expérience où j'ai dû montrer à mes partenaires comment utiliser tel ou tel outil. Il faut, en fait,
incorporer dans vos outils de gestion du projet, vos objectifs et attentes, les protocoles locaux, le calendrier, les points à retenir. Ça peut être votre outil qui doit être intégré dans toutes ces étapes. Il faut que tout le monde soit familier de l'outil que vous utilisez parce que vous l'utilisez comme exemple pour guider le processus tout au long. C'est formidable. Nous avons vu l'évolution des outils de gestion de projets ces 20 dernières années. Il y a une évolution. Tout premiers outils très primitifs que nous utilisons à ceux que nous utilisons maintenant. Il y a un exemple de l'outil que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des outils que vous avez utilisés pour mettre en œuvre le programme? Et, oui, j'avais vu la question dans la boîte de discussion. Eh bien, j'allais y répondre. Dans la section C, de 8 à 35, nous donnons en détail des précisions sur la façon dont nous définissons les outils, comment nous les utilisons dans notre projet. J'en ferai un court résumé. Il y a les objectifs, les résultats clés et comment arriver à réaliser nos objectifs. Il est important de se focaliser sur ce qu'on mesure avec les résultats clés, ce qu'on veut atteindre avec les objectifs et comment on a des objectifs à court terme et à long terme tout au long de votre proposition, que ce soit un projet de 6 mois ou de 5 mois, ce qui peut être utilisé et adapté à chaque cas. Et ce qui est bénéfique, c'est que tous les partenaires puissent utiliser tout cela, que vous ayez en fait une ligne de partage. Cela signifie que vous allez du haut de l'échelle du projet jusqu'en bas pour voir du haut vers le bas à chaque niveau pour montrer comment vous allez atteindre votre objectif. C'est en gros ce que nous allons faire pendant 1 heure. Oui, j'ai appris beaucoup. Excusez-moi, mais je crois que nous avons terminé cette session déjà. Nous sommes arrivés au terme de cette session. Il y aura des questions qui seront posées. Je ne sais pas si on peut prendre du temps pour répondre aux questions dans la boîte de discussion. Ça serait très utile, mais sinon, nous allons passer à la session suivante. Et je vous remercie de cette session très informative. Je me rendais compte qu'il y a une boîte noire concernant couvrant l'écran. Je ne sais pas si c'est un problème technique comme hier. Je vais essayer de réparer cela, mais je pourrais faire quelque chose avec mon écran qui pourrait me faire disparaître quelques minutes. Mais nous ne voulons pas vous barrer la vue de l'exposé qui va être fait. Merci à tous, Diana, Kurt et Annalise. Nous vous reviendrons à vous plus tard. Nous allons maintenant passer à la session 6. Je vais partager l'écran et cette fois-ci,